Veuillez écouter attentivement ces recommandations. Vous devez consulter un médecin avant d'entreprendre tout nouveau programme d'entraînement. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à la maison. Vous devez toujours faire la période d'échauffement avant de commencer votre période d'entraînement. Répétez régulièrement le mécanisme des mouvements afin de maîtriser les techniques, ce qui diminuera le risque de blessure. Gardez la position d'étirement de 20 à 30 secondes pour chaque exercice. Entraînez-vous de 3 à 5 fois par semaine pour obtenir de meilleurs résultats. Assurez-vous de porter des chaussures adéquates. Portez des vêtements confortables et qui permettent à votre corps de respirer. Travaillez à votre rythme et arrêtez si vous sentez un malaise. Buvez régulièrement durant l'entraînement. Vérifiez votre intensité durant l'entraînement. Assurez-vous d'être continuellement capable de parler en vous exerçant. Faites les niveaux d'entraînement dans lesquels vous vous sentez bien. Vous devez toujours faire le bloc retour au calme, musculation et étirement à la fin de chacune de vos périodes d'entraînement. Ne lâchez surtout pas, soyez persévérant et vous aurez de très bons résultats. Et surtout, ayez beaucoup de plaisir. Alors bonjour les amis, bonjour Roxane. Bonjour. On va commencer par un premier bloc d'initiation au mouvement. Alors vous devez connaître le mécanisme de chacun de ces mouvements-là parce qu'on va les faire tout à l'heure dans la séance de cardio Thai Box. Donc vous allez avoir à les faire dans une routine complète. Donc on commence tranquillement. On va écarter un peu les jambes, Roxane. La position de combat, les mains tout près de la mâchoire, les paumes de main légèrement tournées vers l'avant, comme si on voulait attraper une balle, les coudes collés. C'est une des erreurs qu'on fait. Alors, on garde les coudes collés à partir d'ici. Le direct ou le jab se ferait de la même façon. OK? On parle du direct maintenant. Alors, on allonge le poing et la rotation ne se fait qu'à la fin. Si on fait la rotation au départ, on va avoir tendance à lever le coude. OK? On le sait? Donc, on allonge d'un côté pour le direct et de l'autre côté. Ça va bien. On fait attention à quoi? On fait attention à l'hyperextension. OK? Il ne faut pas aller trop loin. Donc, on garde une légère flexion, contraction du biceps à la fin. Ça, c'est le direct. On le refait une couple de fois. Donc, direct 1, l'autre côté 2. Une autre fois 1 et l'autre côté 2. Ça, ça va bien jusque-là. Alors, on continue maintenant avec le coup de poing uppercut, le soulevé. Coup de poing soulevé. Donc, ce coup de poing-là part encore une fois des hanches. Les coudes sont très près de nous. On descend légèrement sur notre position. C'est un mouvement qui se fait en soulevant. Et quand on lève, on laisse aller le poing. On a la tendance à bouger beaucoup trop les bras. OK? Alors, on s'assure de garder les coudes près de nous. On descend, on lève, on laisse aller le coup de poing. Descend de l'autre côté, lève, laisse aller le coup de poing. On laissait? Un. Laisse aller devant toi. L'autre côté, un. Laisse aller. C'est bon, ça. Encore une fois, un. On laisse aller. Et une autre fois, descend, un. On laisse aller. Prochain coup de poing qu'on va faire, le crochet. La fin du mouvement, Roxane, nos épaules sont vraiment bien tournées. Le poing est à peu près vis-à-vis de notre visage. Le coude. Le bras, c'est parallèle au plancher. Alors, les épaules légèrement tournées, c'est comme ça. Tu peux tourner ta hanche et ton pied. Okay. Ça, c'est la fin du mouvement, avec de l'attitude. Et on revient. Donc, on tourne. Un. Est-ce qu'on lève notre coude de départ ou en même temps qu'on fait le mouvement, d'après toi? En même temps. Tout à fait. On y va ensemble. Un. On revient. Un. Oups. C'est bon. Encore une fois, du même côté. Un. Et là, on va aller de l'autre côté. Un. Tourne. On revient. De l'autre côté. Un. Une autre fois de l'autre côté. Un. Ça va bien? C'est le crochet, ça. Ça va bien à la maison? On continue maintenant avec le double jab. On est ici. C'est le double direct ou le double jab. Il est jab quand je suis en position de combat de côté. Et il est direct quand je suis en position de combat de face. On le fait de face. Ici. Un. Deux. On fait attention à quoi? À ne pas lever le coude. Oui. L'autre côté. Un. Deux. Une autre fois. Un. Double direct. Deux. Encore une dernière fois. Un. Deux. Ça, ça va jusque-là? Oui. Coup de genou maintenant. On part d'ici. Nos bras partent au-dessus de la tête. Les bras ouverts. On tire en même temps qu'on lève un genou. On commence de ce côté-là. Et quand on descend, les bras viennent parallèles au plancher, les paumes vers le haut. Alors, on le fait ensemble. Un. Lève. On ramène. Un. Lève. C'est bon. Une autre fois, un. On va l'essayer de l'autre côté. Tranquillement, un. On lève. Est-ce qu'on doit mettre de la puissance un peu, Roxane? Oui. Normalement, on devrait non? en mettre. Oui, un. OK. Dernière fois, un. Ça, c'est pour le genou. Ça va? Uh-huh. On prend notre position de garde.
quelque chose qu'on va faire de façon rapide, en mitraille, par exemple. On appelle ça le speed bag. C'est le ballon poire. On place le bras de côté, le coude est assez levé. Comme ça, ici. OK. Et on tourne. Parce qu'on viendrait frapper une poire. Les boxeurs utilisent souvent ce mouvement-là. Et on devrait normalement le faire très, très vite. On va le faire à une main, c'est ça. Et on va le faire de face, par exemple, à deux mains. Toujours en pensant que c'est cette partie de la main-là qui toucherait notre ballon poire. Et on peut le faire de l'autre côté aussi. Ici, et tu viendrais frapper dans ma main. C'est bon. L'autre mitraille qu'on va faire, c'est à un bras en position, en coup de poing de jab ou de direct. Alors, de côté, par exemple, ici, et on va bouger avec nos jambes. Comme ça, on va aller vite en frappant dans ma main. On va le faire de face, les deux bras, les coudes pas trop ouverts, et on va le faire de l'autre côté. Un bras. Et on va aller vite. Ça va pour ça? Oui. Dernière chose qu'on va faire avec les mitrailles, ce sont les uppercuts. Uppercut ici, et là, on va le faire avec la mitraille en courant sur place. Alors, les enfants, regardez bien. Les parents aussi, là. Ça va bien. Et comme on imagine, frapper dans la main. OK? Les esquives, il y en a deux sortes. Une sorte ici. Premier mouvement, esquive avec le corps. Alors, les jambes sont en position statique, les genoux légèrement fléchis. Et on descend d'un côté pour lever de l'autre côté en pensant qu'on passe sous une corde. Vas-y, on voit. Ici, un. Deux, on regarde devant. Hein? Une autre fois, un. Deux. L'autre façon, on va se placer de côté en position de combat. Et on peut le faire en descendant ici. On descend. Un. D'accord? Un. Dernière fois. Un. OK. Dernier mouvement, Roxane. Ça va bien jusque-là? Oui. Le coup de pied avant. Alors, on se place de face. Encore une fois, en position de combat. Coup de pied, on lève le genou. On allonge, on ramène et on dépose. Pas important d'aller très, très haut. L'important, par contre, c'est d'allonger et de ramener au même niveau notre genou avant de descendre. Parce qu'on a souvent tendance à lever, allonger et descendre. OK? On commence tranquillement. On y va. Un. Frappe. Descend. L'autre côté. Un. Frappe. On va aller plus vite. On y va. Un. L'autre côté. Un. Ça va vite, hein? Un. Dernière fois. Un. Assurez-vous d'avoir le pied pointé. En espadrille, c'est pas évident, OK? Donc, c'est pas le pied en flexion, mais bien pointé. Ça va? On a terminé maintenant. Alors, ce que je vous conseille à la maison, c'est de répéter ces blocs de mouvement au niveau des mécanismes. Pratiquez-le régulièrement. Quand c'est maîtrisé, vous passez au bloc cardio et au reste de la séance. Ça va, ma belle? Oui. On va saluer ensemble. Merci. À bientôt. À tantôt. Allô, Marcel? Tu viens nous voir. Les amis, Marcel, il vient faire du cardio Thai Box avec nous autres et Roxane. Ouais! Vite, vite, on prend nos places. Salut les enfants. Allô, Marcel. Vous êtes en forme? Oui. Vous autres, vous êtes en forme? J'espère que vous l'êtes. C'est votre séance de cardio Thai Box. Alors là, là, vous allez demander à votre frère, à votre sœur, à vos parents, à vos amis, de venir vous rejoindre pour votre séance de cardio Thai Box. Soyez prêts. Alors, vous allez savoir qu'aujourd'hui, on va bouger. On va bouger beaucoup, on va s'entraîner, mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser. Pas vrai, la gang? Oui! Ouais! Alors là, encore une fois, tassez vos meubles, portez de bonnes chaussures, des vêtements amples, assurez-vous d'avoir de l'eau près de vous pour boire de temps à autre, parce qu'on commence tout de suite. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler une chose. Vous savez que les enfants passent plus de 26 heures par semaine à écouter la télé, le Nintendo aussi, je pense, les jeux vidéo. Ils passent plus de 25 à 30 heures assis à l'école. Alors imaginez l'obésité. L'obésité a augmenté de près de 50 % chez les enfants de 6 à 11 ans depuis les 15 dernières années. Alors, il faut faire attention, n'est-ce pas? Oui, déjà, enfant, il faut développer des habitudes de vie saines. Ouais. Les activités physiques, là, il faut les pratiquer régulièrement. Il faut commencer jeune. Alors, on parle de l'importance de bien dormir, de bien manger, mais aussi de bouger. Vous êtes prêts, tout le monde? Oui! Oui! Oui. Alors, aujourd'hui, vous avez Marie qui est avec nous, devant. Il y a Katiane qui est derrière.
Et il y a Madeleine ou Mado, si on veut, qui est avec nous. Alors, on va de temps à autre se promener pour corriger tout le monde à la maison. Si vous vous trompez, vous pouvez arrêter la cassette, vous recommencez, vous reprenez, ça va bien aller. Alors, on va les corriger aussi. Donc, amusez-vous. Vous êtes prêts, Marie? T'es prête? On est prête. Ben, on y va. Attention. T'es prête aussi? Oui. Par quoi on commence? Le salut. Par quoi on commence, les enfants? Le salut, hein? Salut. Quelles jambes on bouge? Gauche. Alors, à la maison, vous bougez quand même la jambe gauche. On y va ensemble dans le Cheerio. On colle nos pieds. Kyongye, on salue. Et ça va commencer. T'es prête, Roxane? Oui. Attention. On va marcher, on marche. On y va, tranquillement. On tasse-tu les ballons, nous autres? On enlève les ballons. Tranquillement, je m'occupe de ça. Commence à jouer. On y va. On tasse les ballons. On a assez joué. C'est bon. Ça va bien, Roxane? Oui. C'est bon. On continue à marcher. On lève les genoux bien haut. Bien haut. Allez, les encore enfants. Pour quatre. On marche large. On ouvre les jambes. Large, quatre. Large. On continue. Hop, hop. C'est bon. Encore pour quatre. Trois, deux. On marche les jambes ensemble. Ensemble. On ouvre les jambes. Large, large, large. Ensemble. Hop. Ça va large. Bien, ça? Oui. On va marcher ensemble vers l'avant. En avant. On ouvre large. On recule. Alors, les enfants à la maison, n'oubliez pas que si vos parents ont de la difficulté, il faut leur montrer. Devant, devant. Hop. On ouvre. Allez, on lâche pas. On recule. C'est bon. Recule. On recule. On ouvre. Attention, on se prépare à passer en dessous de la corde. En dessous de la corde. Penchez votre corps. En dessous. On parle de corde. Imaginez qu'il y a une corde. Il faut passer en dessous. Allez, Roxane. Passe en dessous. C'est ça. Passe. Passe. C'est ça. C'est bon. Ensemble. On essaie de suivre Marie, là. On garde toujours. Les poings au menton. Allez, avec ça. Encore pour quatre. Trois. Deux. On tape dans les mains. Tape. 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 Allez, Mado. Tape. Encore. Encore. On se prépare à passer en dessous de la corde. Trois. Deux. En dessous de la corde. Ici. En dessous. On penche notre corps. Encore pour quatre. Penchez votre corps, les enfants. C'est bon. On tape des mains. Pour 4, 3, 2, en dessous de la corde, on avance. Avancez, on avance on un peu. On tape les mains. Tap, tap. En dessous, on recule. Reculez. On tape des mains. Tap, allez. On un avance, beau sourire, on avance, la gang. Par ici. Hop. On tape des mains. Tap, tap, tap. On recule, par là. Allez. On tape des mains. Tap. Attention, on ajoute. Hop, le geste, et alors vite, alors vite. Allez, allez, je vais aller me chatouiller, moi. Je vais aller me chatouiller. Allez, je chatouille ici, là. Allez, il faut s'amuser, les amis. Encore, encore. Allez. Est-ce que tes chaussures? Allez, on touche au ciel. On touche au ciel. Attention. On touche au ciel. On tape les cuisses, on s'assoit. Touche. Allez. C'est ça. Pas trop fort. Allez. On tape vite, 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 vite. Vite. Quatre, ça, on trois, tape pas trop fort, là. On touche le ciel. Touche. Ah, fais chatouiller Marie. Oh, non. Chatouille Marie ici, là. Oh, non, c'est Roxane. On tape les cuisses. Tape. Vite, 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 vite. Allez. On touche le ciel, dernière fois. Touche. Touche. Touche le ciel. Touche. Quatre, touche. Trois, deux, touche. On tape les cuisses, vite. Allez. Ouais, on commence, Marie. On marche, on marche. Hop. Allez, on marche large. Est-ce qu'il fait chaud, les enfants, là? Ensemble. On ouvre. Attention. On marche vers l'avant. On ouvre, on ouvre. Hop, 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 hop. On recule. Allez, les enfants, c'est bon. On ouvre, lève les genoux, lève les genoux. C'est pas assez fort par terre, on n'entend pas. On tape la corde. En dessous, en dessous. On tape des mains.
début de la corde. On tape des mains. Allez. On touche le ciel. Touche. Touche. On va haut. On lève les cuisses. On touche le ciel. Allez, 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 allez. Le ciel n'est pas très haut. On lève les cuisses. On va se préparer pour les étirements. Tape sur les cuisses. On se prépare pour les étirements. On avance la jambe devant. Le pied en arrière est bien en ligne droite. Bien, bien droit. Par en avant. C'est bon. On va soulever les bras vers le plafond. Le pied droit, toi aussi à la maison. Le pied droit, droit, droit. Hop, descend. On tient en équilibre. Lève. On étire le mollet, ce qui est derrière. Hop. Allez, on lève. On appelle ça aussi les jumeaux parce qu'on en a deux. Ouais. Hop. On n'a pas de jumeaux ici, sauf dans le corps de chacun. Là. On lève. Encore. On va aller s'asseoir sur la jambe arrière. On vient s'asseoir sur la jambe arrière. On lève les orteils vers le ciel et on tape du pied. C'est ça. Tap, tap, tap. On appuie sur cette jambe-là. Prenez appui sur la jambe d'en arrière. On s'appuie sur cette jambe-là. On garde toujours les genoux légèrement pliés. C'est ça. Plus court d'appuyer. Encore. Tap. Appuie ici, c'est ça. Tap. Oh, Marie, est-ce qu'on tape plus fort un peu? On tape, on tape, on tape, on bouge. Allez. On s'en vient, continue le tour. On tire en avant. Loin, loin, loin. On tape les deux pieds. Allez, tape, tape. Oh, faut pas tomber, là. C'est bon. Encore, encore. On s'étire comme il faut, hein. Allez, allez, Roxane, allez. On vient prendre les deux mains ensemble en arrière. On lève le plus haut qu'on peut, le plus haut qu'on peut. On penche pas le corps par en avant. On bouge en côté, côté. Oh! Hop, hop. Oh! Bougez vos hanches. Boum. Encore, encore. Allez. Boum. Boum. Attention, 4, 3, 2, on avance l'autre jambe devant. On commence le pied en arrière, bien, bien droit. Les mollets ou les jumeaux. On lève les bras en haut. C'est bon. Hop, hop, hop. Hey, c'est beau. Plus droit encore, Jonathan. En bas. Bien droit. Alors, tous les Jonathan là-bas, là, faites attention à vos pieds. Le pied bien en ligne droite, en arrière. Comme si on marchait sur une corde. Est-ce que ça étire derrière? Oui. Bien santé, c'est bon. N'oubliez pas, hein, faut essayer de garder ça assez longtemps, là, la position, là. De 20 à 30 secondes. Encore 4. Marie s'en occupe comme il faut. On vient s'asseoir sur la jambe arrière. On s'assoit. On lève les orteils vers le ciel. On prend appui. Prenez appui sur la jambe d'en arrière. L'autre jambe ici, David. Mettez les mains ici, sur cette jambe-là. Comme ça. Et comme ça. On tape plus fort, on tape, 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 tape. Ensemble. Tape ensemble. Est-ce qu'on commence à avoir chaud? Oui. Est-ce qu'on a du plaisir? Oui. OK. Ramène un peu ici. C'est bon. Encore, encore. Tape, tape, tape. Allez. 4, 3, 2, on tape des mains. Oh, on a une petite chanson à vous faire chanter, là. Écoutez bien. Allez, Marie. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Ça prend les jambes aussi. On arrête de taper des mains. On y va avec les jambes. 4, 3, 2, les jambes. Allez. Oh, ça sent bien. On se lève tous les matins. On se lève tous les matins. Pour faire du cardio Thai Box. On prend le petit déjeuner. On bouge pour rester en santé. Des punch, des kicks et puis de la corde. On sait tous les enchaîner. Cardio. Thai Box. Alors là, les amis, on va prendre une petite gorgée d'eau. Vous faites pareil. On revient tout de suite pour un premier bloc cardio. Alors, faut pas arrêter de bouger. On se voit tantôt. Si quelqu'un te pousse,
t'oblige à lui donner quelque chose, te fait peur ou te fait mal, parle-en à un adulte en qui t'as confiance. Par exemple, ton père, ta mère, ton prof, ta gardienne ou ton coach. C'est la meilleure façon pour que ça s'arrête. Alors, ça va bien à la maison? Vous êtes prêts derrière? Vous êtes prêts? Oui! On commence le premier bloc cardio. Il va y avoir 4 blocs cardio. Et entre chacun des blocs, vous allez même voir des petites capsules de prévention. On y va, Marie. T'es prêt, Roxane? Oui. Excellent. On tourne bien la corde, les bras, hein? La corde, ça tombe pas toute seule. C'est la corde invisible. Voyez votre corde? Voyez-vous ma corde? Ouais. Est-ce que vous voyez ma corde? On va croiser la corde devant. Croise. Croise. Oh, vous êtes très bon à la corde. Vous êtes comme des bons boxeurs. Encore. Ou bien des cardio Thai boxeurs. Tiens. Quatre. On saute les deux pieds ensemble. Collé. Tourne, tourne. Quatre. Oh, ça bouge, trois. Là. On prend la position de combat. On reste. On reste ici. Ici. Les mains près de la mâchoire, hein? On va enseigner le direct. On y va lentement, direct. Reviens. Ça va bien, ça? 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1. C'est bon. On allonge. 1, 2, 3, 4. Tournez bien les épaules. Hop. On garde toujours les genoux légèrement pliés. Et le ventre serré, serré, solide. Encore. Hop. Et le sourire aux lèvres. N'oubliez pas vos coudes, hein. Près de vous, les coudes. On va aller un peu plus vite. À mon signal. Il en reste deux, là. C'est le attention. Coup de poing. Direct. On y va. Rapide. Devant. Devant. Plus vite. Hop. 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 Hey. Hop. Ensemble. Frappe. On va continuer. Hey. 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 À la maison. Hey. C'est droite. Hey. Gauche. Hey. Allez, Aurélie. Hey. Gauche. Hey. Hop. Hey. 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 Allez, on lâche pas, là. Hey. 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 Oh, Roxane, hey. Tu peux changer de bras. Hey. 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 Encore. Prends. Allez. Coup de poing direct. Toujours à la hauteur de votre visage, les amis, devant, là. On se prépare à aller hauteur. Encore plus vite. Oh! Hi-hi. On est prêts? Ça s'appelle tempo. 4, 3, 2, tempo. Hey. 1, 2, 3, 4. Ouais. Hey. Devant, hey. Devant toi. Hop, hop. On vient frapper son nez dans un miroir. On lâche pas. Hop. Plus vite. Allez, c'est bon. Allez, on met un peu de force, là, les amis, là-dedans. Un peu de force, c'est ça. On fait attention à nos coudes. Encore 4, 3, 2, on saute à la corde, Ouais. On va recommencer la même chose, mais on va faire des doubles directs. Oh! Qu'est-ce que vous en pensez? Double, c'est... Le combat. Chaque côté, combat, hein? On en fait deux. Êtes-vous prêts? Oui! Ouais. Êtes-vous réveillés? Êtes-vous encore là? Oui! Ouais. Ouais. Deux coups de poing partout! Allez! Chaque hop. Côté! Hop! N'oubliez pas de tourner votre main, les amis! Hey! Hey! Roxane, hey. On va essayer de garder nos coudes un peu plus près de nous! Hey! Okay. Hey! Répondez! Hey. 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 Hey! 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 Ensemble! Hey! 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 Let's go! Hey! 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 Dans hey. 4, 3, 2, 1. Hey. Hey. À la corde, hey. À la corde. Corde. N'oubliez pas, c'est votre petite transition pour vous permettre de récupérer et de vous préparer pour le prochain mouvement. Le prochain coup de poing, on va y aller avec le uppercut. Attention à vos mentons, on prend le combat. N'oubliez pas, c'est le coup de poing soulevé. Vos coudes sont dans près 4. De vous. Attention. Uppercut. Hop. Hop. Frappe. On se trompe pas de main. C'est ça. Frappe. Vous êtes bon, vous êtes bon. On continue. En dessous du menton. Hop. Là. Frappe. Frappe. Ouais. Encore, ouais. Encore. Encore. Vite. Allez. Sept. Allez, David. On va y aller oui. Rapidement. Tempo. Oui. Tempo, tempo. Hop. Plus vite, les amis. Plus vite. Ouh. Allez, merci. Ouh. Allez. Go, 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 allez. Go. Hop, hop. Encore. Ça va bien, Roxane? Oui. Ouais, ouais. Pas trop essoufflé? Non. OK, on y va. À la corde, à la corde. Hey. Oh, ça va bien, les amis, là? Oui. Commencez à avoir chaud un peu. Ouais.
Un coup de poing. Viens par ici, Nico, toi. Le crochet n'est pas comme le capitaine crochet, OK? On prend la position, combat, on reste, reste. Attention. N'oubliez pas le crochet, on tourne comme il faut, là, hein? Crochet, crochet. Hop! 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 On lâche pas. Woo! On a de belles techniques. Encore. On tourne un peu nos épaules. Tourne! Tourne! Allez, Roxane, tourne! 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 Frappe ici! Boum! On va reprendre la corde. Oui! Dans 4, 3, 2, à la corde, à la corde! Et on y va! N'oubliez pas votre corde, on la voit pas bouger, là. Faut la voir bouger. On roule, roule, roule la corde. On croise la corde. Croise, croise, croise. Allez, Alexandre, croise la corde. On est tout mélangé. Faut t'enfarger maintenant, là. Encore. Croise. Allez. Deux pieds ensemble. Oh, les deux types. Les deux types. Les deux pieds. Oh, vous sautez haut. Faut pas sauter trop haut. C'est pas grave. Être forcé à te laisser toucher ou embrasser, c'est pas normal. Même si c'est quelqu'un que tu connais. Écoute tes feelings. N'hésite pas à en parler. T'as pas à avoir honte. Ensemble! Alors, la gang, on est rendu à notre deuxième bloc cardio. J'espère que vous êtes prêts à continuer. Vous autres ici, vous êtes prêts? Oui! Oh, oh, vous êtes prêts? Ouais! J'ai rien entendu. Vous êtes prêts? Ouais! Oh, là, on a entendu. Alors, on est prêts. À toi, Marie. Attention, dans 4, 3, 2, on prend la position de combat. On reste ici. On va y aller avec le ballon poire. Oh! Ce côté-ci. Qui est la poire? On roule, 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 vite, vite. Vite, 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 vite. On regarde où on va, hein? Roule. Allez, on roule, roule, roule. On lève le coude un peu plus haut. Go, 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 comme go, ça. Go. Roule, roule, allez. Roule. Encore. Encore. Roule. On roule. Les deux bras ensemble. Allez. Roule, roule. Oh, allez. Roule. Allez, c'est le moulinet. Let's go. Vite, vite, allez. Vite, vite, allez. Vite, vite. Plus vite, la gang. Plus vite. Allez, roule. On roule. Oh, regardez roule. Ses lèvres. Regardez ses lèvres comme elles forcent. Encore. Allez voir, c'est Martin comme elles forcent. Allez. L'autre côté, on roule. 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 Allez, l'autre côté. Un bras. Un seul bras. Un bras. Ici. Un bras. Ici. Là. 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 Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Roule, roule, roule. Celui-là roule. Ici. Allez, on roule. 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 Quatre, seulement le bras, là. Trois, comme ça. Deux. Allez. Deux bras, deux bras. Oh, un, devant, le moulinet. Les coudes très haut. Encore, encore. Les coudes très haut. Ici, là. Allez, on roule, on allez, roule. Roule, roule. Allez, comment c'est vraiment les bras fatigués. Allez, 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 allez. Oh, que ça roule pas vite ici. On a un témoin, on là. On tient dans la corde, ça roule pas vite ici. Qui veut... Martin, viens voir ça ici, Martin. Lui, il roule pas vite. On va le laisser comme tout seul. Regardez-le rouler. Allez, Nicolas, roule. Go, 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 roule, Nicolas, go, roule. Go. Oui, OK, attention. On bouge. On allez, reprend. Roule un bras ici. Allez, un bras. De ce côté-là. Allez. Attends, pour quatre. Allez. Trois. Allez. Oh. Deux. Roule deux bras. Roule les deux. Roule. Allez, faites attention de vous accrocher le menton, là. Go, 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 roule. Go, go. Roule. 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 Allez, un bras, l'autre côté. Plus haut, plus haut. Hop. Un bras. Allez, un bras. Encore, pour quatre. Trois. Deux. Les deux bras. Allez, roule. Roule, allez. Roule, roule, roule. Roule plus haut, Roxane. Roule. Quatre. Roule. Allez. Allez, 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 on continue, allez, allez, continue, vite, allez, vite, vite, roule, vite, vite, vite. Roule. Allez, Roxane, roule. À la corde, on à la corde. Go. Ouais. Bravo. Oh, vous êtes bon, vous êtes très bon. On vous donne la tâche difficile, là. On continue. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, Roxane? Oui. Roule. 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 Roule, roule, roule. Allez, 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 allez. Roule, roule. Encore. Encore. Roule deux bras. Plus haut, plus haut. Allez, on roule. Go, 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 roule. Go, go, go. Allez. Allez, 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 allez. Roule l'autre côté. Faites rouler vos parents aussi là-bas, là. Faites rouler vos parents. Plus on vite encore. On n'a pas roule. On continue. Plus vite, plus vite. Allez, on roule. Roule. Allez, 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 allez. Roule deux bras. Oh. Go, on revient go, aux deux. Go, dernière fois. Allez, on bouge. Hop. Bouge. Hop. Bouge. On se prépare pour le uppercut. Roule. Dans quatre. Vous connaissez beaucoup de points soulevés. La pile. Hop. Hop. Frappe. Attention allez. Au menton. Vous pouvez soulever. Up. Ensemble, up. C'est ça. Frappe. Up. Allez. Frappe. Encore. Frappe. Ensemble. On va aller hey. Un peu plus rapide. Hey. 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 Rapide, rapide. Oh. Up. 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 Hey. Up. Hey. On va compter ensemble, OK? Jusqu'à 8. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les enfants. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seulement Roxane maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, mitraille. Et on mitraille. Allez, on mitraille. Plus vite, les enfants, plus vite. Go, 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 go. Allez, Roxane, ici. Allez, allez, allez. Roxane, vous les faites, Roxane. Arnaud, vous les faites, vous les faites. Allez, 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 allez. On bouge, on bouge. Allez, on bouge. Allez, bonne soirée. On crie, les gars, let's go. Allez, il faut les réveiller là-bas, là. Il faut les réveiller. Attention, attention, ensemble, frappe, frappe. Rapide, rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mitraille. Allez, mitraille, mitraille. Allez, allez, Roxane. Plus vite, plus vite. Ici maintenant, allez. Allez, 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 allez. Vite, 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 vite. Ici maintenant. Allez, 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 allez. On sort de la corde, de la corde. La violence entre frères et sœurs, c'est pas de l'amour. Accepte pas que ton frère ou ta sœur plus vieux que toi te fasse mal, te menace ou te vole tes choses. T'es peut-être moins fort, mais tu peux être plus intelligent. En parler à un adulte peut t'aider à trouver la solution. Commencez à avoir chaud ici, là! Oui! Avez-vous chaud là-bas, là? Est-ce que tes parents ont arrêté? Non. Ils ont continué avec toi. Hein? Motive-les si on a des difficultés. Hein? On y va pour un troisième bloc cardio. Parti. On va prendre la position de combat. Attention. 3, 2, combat. On va se préparer pour les genoux. Donc, on place les bras en coin. On tire sur le côté du genou. Ça va tout le monde pour 3, ça? 2, on y va lentement. Tire. 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 C'est beau. Encore. Ha! Ha! N'oubliez pas, ha! Si vous avez de la difficulté, ha! On lève pas trop, là. Ha! Ha! Oh, tout on n'entend rien. Ha! On n'entend rien. Ha! Oh! Ha! 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 On va y aller plus rapidement. Ha! Ha! Attention. Ha! Rapide. Ha! 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 Attention, on va se préparer pour le coup de pied lentement. Attention. Oh, oh. Dans 4, vous arrêtez, il faut pas arrêter. Deux coups de pied lentement. Ha. Coup de pied, ensemble. Coup de pied. Coup de pied. Coup de pied avant, les amis. Kick. Bien droit. Kick. 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 On va y aller un peu plus rapide, attention. Kick! Kick rapide! Kick! 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 Kick. Let's go! Kick. On lâche pas! Kick. Ensemble! Kick. Encore! Kick! Kick! Oubliez pas de bien plier votre genou! On ne frappe pas trop, kick. Hein, si c'est difficile! On revient au genou! 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 Ha! 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 Oh, allez! Kick! Kick! Ha. Kick! Ha. Kick! Oh, on a un kick! 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 Allez! Kick! Genou, genou! Kick! Ha! 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 Comment? Ha! 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 On kick! Ha! Kick! 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 Oh! Seulement les enfants crient maintenant! Genou pour 4 seulement! Les enfants! Ha! 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 On kick! Kick! Seulement les enfants! Kick! Kick! Allez! Plus fort! Allez, encore! Go! Oh! David, vas-y encore voir, toi! Allez, ici, là! Gab, on va prendre lui, là! Vas-y, va kicker! Allez, kick! Ici! Kick! Kick! L'autre! Allez, continue! Kick! Kick! Encore! Kick! C'est bon, on danse, d'accord! On va reprendre les directs tempo! On y va pour 8 et on tape dans les mains pour 8. Des coups de poing. Des coups de poing. 5, 6, tape dans les mains pour 8. 5, 6, 7,
coups de poing. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On lâche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coup de poing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coup de poing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tape. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Coup de poing. 3, 2, on tape. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 2 coups de poing, 2, 4. Allez. 1, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, allez. 1, 2, dernière fois. 1, 2, 3. Avez-vous du fun, les enfants? Ouais! Avez-vous du fun, les grands? Ouais! Vous avez du fun? C'est là. Les grands enfants. Y a-tu des endroits où tu te sens pas en sécurité? Dans le parc ou dans la rue? Fais-toi accompagner par un ami, par ton frère ou ta sœur, ou encore par un adulte. C'est plus sûr. Alors, tout le monde, hein? Je pense qu'on est tous prêts pour le dernier bloc cardio. Ouais! Est-ce que vous êtes prêts ou non, là? Ouais! Excellent. N'oubliez pas d'aller prendre une gorgée d'eau régulièrement si vous en avez besoin. Hein? On y va! On va se placer prêt, avec la jambe ici en avant. Dans 4, 3... Deux, prenez la position de combat. Si, les mains près de la mâchoire, hein? Donc, un bras, deux bras, on lance les coups de poing, lentement. Jab, direct. Jab, direct. Jab, n'oubliez pas de tourner la hanche. Les mains ici, Oli, c'est ça. Jab, direct. Tourne. Jab, direct. Tourne. Jab, direct. On regarde en avant, David. Direct. Encore. Jab, direct. Jab, direct. Jack. On va plier direct. Les jambes, on passe Jack. En dessous de la corde. Donc, plie les jambes. Plie, descends. Plie, descends. Plie. Descends. Encore, pour descends. 4, descends. 3, allez. 2, jab direct. Jab, direct. Jab, allez. 1, 2, ça va on bien. Passe en dessous de la corde, 3. On plie. Descends, descends, descends. Encore, pour 4, allez. 3, là. Jab direct. Jab, un. Direct. Un. Jab, on passe en dessous. Descends. Un. Plie. Jab direct. Jab direct. Allez. Jab, descend vite, vite. Descends. Descends. Jab direct. D'accord. Jab direct. Allez. Descends, descends. Vite, vite. En dessous. Les esquives. Dernière fois. Descends. Préparez-vous avec la mitraille. Un bras seulement. Vers l'avant, vers l'avant. Ici, hop. On court avec. Hop. Allez, allez les enfants, c'est ça. De côté, on reste de côté. Go, 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 go. Allez. Oh, c'est pas vite, ça, hein? Allez, allez. 4, 3, on revient au centre, deux bras. Ici, les deux bras. On court sur place, c'est ça. Allez, go, allez, go, go, allez, 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 allez. Allez, la gagne. Allez, on lâche pas. Allez, hop. Allez, on regarde de face, toujours, les deux bras. On reste de face. On se prépare à tourner de l'autre côté, un bras. Par là. Allez, allez. Par là, go, go, c'est ça. Go, 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 go. Un bras, un bras. Ici. Allez, tourne, avec c'est ça. Ici. Allez, on lâche pas, on est avec allez, l'autre bras ici. On bouge, cours, cours, cours. Attention, on reste en combat. On reste, on reste. Si. On se prépare pour les jets directs. On reste on là. On est prêts. Dans 4, 3. Main avant. Premier bras, deuxième bras. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Un, avant. Un, deux, un. Deux, c'est ça, les bras un peu plus haut. Pousse. Encore, encore. Deux. Un. Deux, l'autre bras. Est-ce qu'il reste de la vie là-dedans? Oui! Un, OK! Deux. On passe en dessous de la corde. Vite, vite, descends. Vite. Descends. Vite. Descends. 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 Allez. Un. Pas trop encore, bon, Mathieu. Encore. Descends. Descends. Mathieu, c'est ça. Descends. Pour allez. 4, 3, comme si on avait des springs. Jab direct. Jab. Direct. Jab. Hop. Mais avant, arrière. Des avant, passe en arrière. Arrière. Plie. 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 Des ressorts dans les jambes. Plie. 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 Jab direct. Allez. Jab. Jab. Direct. Jab. Jab. Descends, descends. Un. Jab direct. Jab.
descends. Si je vous descends. Attends. Jab, direct. Jab, pli. Jab, pli. Pli. Deux fois encore. Jab, direct. Jab, direct. Pli. 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 Encore. Jab, direct. Jab, direct. Pli. Attention. Allez, on court, court, court de côté. Allez, allez, Jonathan, allez, allez. On lâche pas, les amis, c'est presque terminé. Vous lâchez surtout pas. Allez, on lâche pas. Allez, on lâche pas. On lâche pas, c'est presque terminé. On lâche pas. Allez, allez. Les deux bras maintenant. Deux bras. Deux bras, deux bras. Allez, Marie, on pousse. Go, 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 go. Allez, allez. On lâche pas. Allez, 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 allez. Allez, encore. Quatre, allez, trois, on tourne ici. Un bras, un bras. Allez, la mitraille seulement à côté. Seulement à côté. C'est là, vite, Aurélie, vite, vite. On achève, on achève. Allez, Roxane, pousse, pousse. Allez, on crie on un peu. On donne tout ce qu'il reste. Ouais. De force maintenant. Ouais. Allez, allez, on lâche pas. Ouais. Allez, vous lâchez pas, vous lâchez surtout pas. Go, 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 go. Allez, huit, on termine sept, avec ça. On lâche six, pas. Cinq, allez, quatre, allez, trois, allez. Encore, collez-vous maintenant. Est-ce qu'ils vont passer en dessous? Woo! En dessous de la corde, en dessous. Alors, en dessous. On se dirige tranquillement. Vous allez diminuer un peu l'intensité parce qu'on se dirige vers un bloc de retour au calme, musculation et étirement. D'ici là, prenez une gorgée, dos, continuez à bouger et revenez-nous tout de suite après. Si ton cœur te dit non, écoute-le. Alors, la gang, nous voici rendus maintenant au bloc retour au calme, musculation et étirement. J'espère que vous avez eu un bon entraînement, que vous avez profité des petits temps de relaxation ou de diminution d'intensité pour prendre une gorgée d'eau. Alors, on continue. Vous êtes prêts, tout le monde derrière? Oui! Ouais. On y va! Allez, Marie! On continue, on passe toujours en dessous de la corde. Penche! Penche! C'est bon, ça? C'est bon. On commence à l'avoir. Roxane est super bonne. Encore quatre, trois. On marche et on tape des mains. Langue bas. Hey, c'est bon! N'oubliez pas, c'est le retour au calme. Ensemble, ensemble, Jonathan. Esquive, en dessous de la corde. En dessous. Et ça. Encore, pour huit. En bas, en dessous. On penche, on Allez. Penche. Tout le monde ensemble, là. On marche, on tape, on tape. On tape plus vite. On va aller prendre notre position pour les pas de géant. On continue à taper des mains. Position Alors, à la maison, vous pouvez faire la même chose que nous. Si jamais vous êtes seul, ce qui me surprendrait, parce que vos parents, vos frères, vos soeurs, vos amis sont là, si jamais, par contre, vous êtes seul, vous allez pouvoir le faire quand même. Regardez bien. Est-ce qu'il manque des ballons? Ça va? Vous en avez? On est correct. Alors, quel caméraman veut? Lui, ici, là? On est prêt. Allez, Marie. Donc, on se prépare, on va faire des grands pas de géant. Ce qui est bien important, les amis, c'est qu'on ne dépasse pas le pied à l'avant. On va faire comme si on allait déposer le genou au sol, mais on ne le dépose pas. OK? Là, je veux voir des vrais pas de géant. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Okay. Ouais. On garde toujours le dos bien, bien droit, les abdominaux serrés. Oh! Un ballon à l'horizon. Dans quatre, trois, deux, on y va. On fait des grands pas de géant. Grand, grand, grand. On tient le ballon comme si c'était quelque chose de fragile avec les deux mains. Un peu moins grand, Nicolas. On le passe à notre adversaire. Et on y va. Avec les deux mains, David. On tient le ballon avec les deux mains. Les deux mains, David. C'est bon, oui. Ouais. Le genou comme si tu posais ton genou au sol. C'est ça. Vas-y, Roxane. Un peu Allonge plus grand, juste tes jambes pour pas que ton genou dépasse tes orteils en avant. Des grands pas de géant. Bravo. N'oubliez pas, c'est vraiment comme si vous alliez déposer votre genou par terre. Hein? Vas-y, David. Avec les deux mains. Les deux mains, Jonathan. Fragile, faut pas l'échapper. On devrait normalement déjà commencer à sentir que nos cuisses
sont réchauffés, bien échauffés. Et ça chauffe un peu l'intérieur. Tout l'ensemble des groupes musculaires, des jambes. Les fesses, les cuisses, en avant, en arrière. Pas trop vite, toi. Pas trop vite. C'est ça. C'est bon. Montrez-moi des vrais pas de géants, là. Je veux voir des grands géants. C'est beau, Roxane. Et prends ton temps, Nicolas, c'est ça. Vas-y, Aurélie, bravo. N'oublie pas qu'on peut le faire en marchant, donc en avançant, mais on peut le faire également sur place. Vas-y, David, on pourrait le... Tes deux mains, David. C'est presque un grand écart, faut pas que tu ailles aussi grand, là. Plus court. Regarde, David. David, il nous a montré un gros géant. Comme Roxane. Faut pas que ce soit trop grand. OK, un peu plus court. On va y aller maintenant une dernière fois. On fait une dernière traversée. C'est bon. C'est mieux. Prends ton temps, Mathieu. Alors. Maintenant, on va venir se placer en rond. On va laisser terminer David. Tes deux mains, David. On te regarde. Bravo. C'est beau. On se place en rond. On reste debout, tout le monde. Alors, on va faire un cercle. Un grand cercle. Encore une fois, c'est un exercice que vous pouvez faire à deux seulement, si vous êtes deux. Seul, ça peut être fait quand même. Mais imaginez comment c'est intéressant de faire un groupe. On essaie de faire un vrai rond, là. Pas un beau cercle. Un beau cercle, c'est beau. Est-ce qu'on a suffisamment de ballons? On va prendre un autre ballon. On va séparer les ballons un peu. Merci, Gabriel. Tiens, tu vas commencer avec les ballons, toi. OK, là, ce qu'on va faire, premièrement, on va ouvrir les jambes à la largeur des épaules. Je viens juste te coller, là. On garde les genoux légèrement fléchis. On ouvre les jambes, tout le monde. Les genoux fléchis, les genoux un peu pliés. On va prendre le ballon. David, t'es trop, on va passer trop écarté. D'un côté à l'autre. On vient travailler les obliques. On garde le dos toujours bien droit. On garde aussi le sourire. Okay? Est-ce qu'on passe le ballon à une main? Ou à deux mains? Deux mains. Toujours. Est-ce qu'on est pressé? Non. On fait bien l'exercice. On tourne comme il faut. Exactement. Donc, on fait pas comme si c'était une patate chaude. On modifie le jeu un peu, OK? On y va. Il faut prendre soin comme si c'était un objet fragile. On y va, on passe à votre droite. L'autre côté. Et Roxane était dans la lune. Ouais. Allô? Boum! On a l'air de robot, n'est-ce pas? Tournez. Gardez toujours les genoux pliés. Faut pas faire ça avec des boules de quilles, là. C'est trop lourd. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre à la maison? Qui a une idée? Des boules de quilles. Des boules de quilles, on a des toutous. Ouais, des toutous. N'importe quel objet. Mais pas un toutou de 2 mètres, là. OK. Attention, statue. On change de côté. Moi, prendre ballon. Moi, donner ballon. Moi, prendre ballon. Moi, donner ballon. Moi, passe ballon à côté. Ah, on va l'appeler maintenant le passe-ballon. Le passe-ballon. Alors? Moi, donner ballon. Passez le message, ça s'appelle le passe-ballon. Ça ne s'appelle plus la patate chaude. Faut garder le sourire, les amis. Attention, statue. Vos pieds ne bougent plus. On change de côté. Quand vous faites le mouvement, assurez-vous. Statue. D'arrêter de parler. On change de côté. Hey. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait le mouvement, Marcel? Il faut s'assurer de garder les pieds au sol bien fixes. Tournez pas vos pieds quand vous pivotez les hanches, là. On pivote, Mathieu. Bouge pas tes pieds au sol. Tourne pas tes pieds. Parce on garde toujours les genoux fléchis. Légèrement fléchis, les pieds bien ancrés au sol. Statue! On change. Boum, boum. Qu'est-ce que vous en diriez si on chantait notre chanson? Oui! On dépasse les ballons. Alors, on va demander à Dave, notre maestro, de nous laisser la chance. Là, n'oubliez pas, là, on la chante pour que vous l'appreniez. On veut que bientôt, on l'entende dans les rues. À vous! On veut que tout le monde la chante par cœur. On commence avec les pieds, les mains. On se lève tous les matins. On se lève tous les matins. Pour faire du cardio Thai Box. Pour faire du cardio Thai Box. On prend le petit déjeuner. On prend le petit déjeuner. On bouge pour rester en santé. On bouge pour rester en santé. Des punchs, des kicks et plus.
puis de la corde. Les punches, les kicks et puis de la corde. On sait tous les enchaîner. On sait tous les enchaîner. Cardio, cardio. Thai box, Thai box. Cardio, cardio. Thai box! Yeah, bravo! Ce n'est pas là-dessus que ça s'arrête. On passe aux étirements maintenant. En place, tout le monde. C'est la dernière partie du dernier bloc. Assurez-vous, les étirements, de ne jamais les oublier. Il faut tout le temps les faire. Alors, vous êtes prêts? On y va. On est prêts? Prêt? Super. On commence par prendre une grande inspiration. Jusqu'au ciel. On s'étire, on pousse les mains loin, loin, loin vers le haut. Poussez loin parce que je vais aller vous chatouiller, là. Oh, oh! Et on relâche, on se laisse tomber au plancher lentement. Garde tes jambes un peu, Roxane. C'est bon. On laisse tout tomber. On est pesant, pesant, pesant. Gardez vos genoux un petit peu plus. Toujours. Ouais. Et on remonte lentement. On déroule. On déroule. On déroule. On est un peu bossu. On revient droit. On prend encore une fois une grande inspiration. Hop, hop, hop. On touche le ciel. On s'étire le plus qu'on peut. Oh, oh, oh! Allez, 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 allez. On plie les genoux. Allez, 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 allez. On laisse tomber. Tout est pesant, tout est pesant. On relâche. On a travaillé fort, on relâche. On déroule lentement. On s'en va en auto. On prend les mains. On pousse loin devant. On tient bien le volant. On étire le haut du corps. Un peu de danger, c'est Roxane qui a le permis de conduire en avant. C'est toi qui dirige? On tourne d'un côté. Vas-y, Roxane, fais-nous tourner. L'autre côté. Attention, la lumière est rouge, on revient au centre. Oh! Faites pas ça dans votre voiture, là. On tourne d'un côté. Pousse loin, loin, loin. L'autre côté. Et on revient au centre. On reste ici un peu. On ouvre grand les bras. Fais attention aux voisins. On ramène les deux mains ensemble derrière. Et on tire vers le haut. On étire les pectoraux. C'est quoi les pectoraux? C'est quoi les pectoraux? Oui. C'est le muscle devant, le muscle de la poitrine. OK? On garde bien ça encore un peu. On lève un bras en haut. On plie. On lève le bras en haut, on pousse. Qu'est-ce qu'on étire? On étire quoi, les hommes? D'autres muscles. On étire d'autres. Les triceps. On en a plein de muscles. Le tricep. C'est pas facile, ça, hein, Aurélie? Hein? C'est bon. David, t'as l'air un peu mal pris, toi. On lève l'autre bras. L'autre bras. On a la tête. Mets ta tête droite. Hop. Pousse. Viens droite. Viens le chercher là. Allez. Eh, mon Dieu, c'est compliqué. On a trop de deux bras, hein? C'est bien important, par exemple, de s'étirer. Si on veut diminuer les courbatures le lendemain, diminuer le risque de blessure, on va pousser une jambe loin derrière. On garde le pied en arrière en ligne droite. Fais-tu l'autre jambe, Roxane, pour être comme les autres? Non. C'est une bonne idée. On va laisser tomber les bras. Tiens, on va les laisser tomber. Assurez-vous que votre pied arrière est bien droit, là. Hein? Là, on bouge, bouge, bouge les épaules, les épaules. Bouge, bouge, bouge. Bouge, bouge, bouge. Hop! Marie va commencer à nous faire danser du funky, là. On bouge d'un côté puis de l'autre. Ça va avoir du plaisir, même en s'étirant. Encore quatre. Oh! On va venir s'asseoir sur la jambe arrière. Ça, c'est compliqué. On met les mains sur une cuisse. C'est bon. On s'appuie sur la jambe arrière. Oh, mon Dieu, que c'est bon. Attends un petit peu, Mathieu. On va lever un bras en haut. Comme ça. On fait une vague avec le bras. Mets tes mains ici. C'est ça, la jambe. Hey, c'est beau, ça. Hey, t'es rendu en haut à envoyer... Oh, les mains. Une grosse vague. Appuie, là. C'est ça. On va maintenant envoyer l'autre jambe en arrière. On étire le mollet. Le pied droit, droit, droit en arrière. Voilà. Commencez, c'est ça. Allez, Aurélie, on recule un petit peu plus. On relâche les bras. Shake, shake, shake les épaules. Shake, shake, shake. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Shake, shake, shake. D'un côté et de l'autre. On est-tu difficile un peu, là?
On vient s'asseoir derrière. Prenez appui. On lève nos bras. Bon. Ah. On fait la vague un peu. La vague. David, fais-tu la vague ou tu fais le bateau? On continue. Hop, hop. N'oubliez pas, bien important, cette partie-là, il ne faut vraiment pas la sauter dans un entraînement. Toutes vos séances d'entraînement devraient se terminer, en fait, débuter avec des étirements et se terminer par des étirements de 20 à 30 secondes par position. On se met en position du salut. C'est déjà fini. Terminé, les amis. Vous avez aimé ça? Oui! Est-ce que vous avez aimé ça? Si oui, vous recommencez. Assurez-vous que si jamais c'est trop facile, si vous trouvez qu'après plusieurs pratiques, ça devient facile, vous pouvez répéter les blocs cardio plus qu'une fois. Alors, merci beaucoup. On se revoit bientôt. Attention, dans le chelio, on colle nos pieds. Kyung-ye. Merci tout le monde. Merci Roxane. Merci la gang. Merci, merci Marie. Les amis, Martine s'en vient faire du cardio Thai Box avec nous autres. Oui! Je me rappelle plus de son nom. Roxane. On bouge pas. S'il y a une mouche, une abeille là, qui vient nous frôler le nez, on bouge même pas. Kyung-ye, on salue. Jonathan, tes pieds sont ouverts. On commence. Pas comme ça, là. Bien collé. Les orteils, bien les orteils. La partie où les orteils sont cachés. En parlant un peu à un parent peut t'aider à comprendre. À trouver une solution. Ah. Attends, c'est quoi la première phrase? C'est quoi? Oui. OK. Accepte pas que ton frère ou ta soeur plus vieux que toi te fasse du mal. Toi, là. Et toi, pour toi. Y a-t-il un endroit où tu te sens pas bien? Non. Y a-t-il un endroit où tu sois pas en sécurité? Dans le parc ou dans la rue? Fais-toi accompagner par un ami. Par un adulte. OK, à vous. Dans le parc. Dans le parc ou bien dans la rue? Ben, je veux dire. Oui. Mais c'est convaincant. On peut vous mettre sur des allô, Martine! Allô, Martine, par exemple. Salut la gang! Ça va bien les enfants? Allô Marcel! J'espère que vous êtes prêts à la maison pour votre première cible. Bon, je l'ai manqué. C'est la faute à Marcel!